la radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac dans l'Acoustic Club. Ce soir, on reçoit un artiste qui nous vient de Chambéry, Ricky James. Comment tu vas, Ricky? Hello, bien, je suis bien accueilli, donc j'ai pas de raison d'aller mal. Très bien, on a un petit peu échangé tout à l'heure, on est très intime là, on est entre nous. Ouais. T'es venu seul avec ta guitare, mais voilà, et puis on va passer un bon moment, une petite heure ensemble, faire du live. Plaisir. Ce que je te propose, c'est de démarrer avec un premier titre, et puis on échange ensuite, juste après, voilà. Super. Merci. Bon, je vais essayer de faire ça bien. La mer Méditerranée en été, inhabitée, humanité ensablée, un bébé. Ouh, sa mer minée et les gens hallucinés et bêtés, inanimés. Sur la plage abandonnée, immolée. Ouh, il a marché jour et nuit en se disant pourquoi Dieu ne répond pas. Il s'est caché malgré lui. À 6 ans, je crois qu'on ne comprend pas. Que des hommes en furie font n'importe quoi et ne tremblent pas. Aylan, je ne te reconnais pas. Et puis sur la route, il a vraiment plu tout le temps. Un bateau prévu pour 200, nous étions 1200. Que ceux qui s'en foutent se souviennent que dans peu de temps, la montée des eaux fera grimper au rideau l'argent. Ah, oui, oh, ah. Aylan, 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 il va le long des gens. Il voudrait juste que la pluie s'arrête. Des gens si intelligents qui font tout péter pour pas que ça pète. Il va le long des gens. Il voudrait juste que la pluie s'arrête. Il sait le fond méchant qui confond amour et cigarette. Du béton dans les têtes. Ils ont si peur les gens qu'ils confondent amour et calculette. Un peu de cinéma. Okay. Merci. Yes. Et on voyage déjà là. Ouais, ah, on essaye. Alors j'étais un peu ému, donc la guitare elle fait un peu frustrante. Ouais. Mais ce sera de mieux en mieux. Ce sera de mieux en mieux. Yes. Mais c'était déjà très bien. Super. En tout cas, merci c'était pour l'accueil. Bien. Et bah, oui. C'est, je crois, la deuxième fois que je oui, voilà, visite. C'est la deuxième fois. La première, c'était l'année dernière, notre première année de radio. T'es venu avec l'association Zycomatique. Absolument. Hein. Voilà, des amis profonds. Des amis profonds, donc Damien Fromont, le président. Donc Clément Dumont. Clément Dumont, voilà, oui. Je me suis trompé. confondu. Ça arrive même au meilleur. c'est une association ouais, très active sur le secteur Chambéry hein, pour aider effectivement les enfants en situation de handicap et aussi adultes. Mais c'est le côté musique qui est intéressant parce qu'il propose justement avec le festival Regarde. Enfin voilà, si tu as envie d'en parler de mots. Le monde se conquiert par la culture et puis il y a des gens qui l'ont compris. J'ai beaucoup d'amitié pour les gens de Zycomatique parce que d'abord, je suis admiratif de leur démarche. Je tiens quand même à dire que ce n'est plus une expérience locale. Ils sont allés voir le Premier ministre quand même.
pour conseiller l'axe central. C'est pour utiliser une image du football. Et donc, ils sont même inspirants pour les gens qui dirigent ce pays. Et je trouve que pour une expérience partie de chez nous, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, ouais. Et puis, l'idée est merveilleuse. C'est de se dire que des fois, des exclusions peuvent nous passer sous le nez parce que nous sommes concentrés sur autre chose. Et que finalement, ce qui élève l'homme, c'est la culture. Et les gens qui sont ont des difficultés de mobilité, ils passent leur temps à nous apprendre tellement de choses dans leur abnégation, dans leur... Vous savez, souvent, c'est des gens en souffrance qui vous disent, qui s'inquiètent pour vous. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, quoi. Que ce soit des gens en fauteuil qui me disent, alors, tu vas bien, est-ce que machin... Ça touche beaucoup. Et Zycomatic, ça fait quelques années que ça existe et que ça grandit. Je fais partie d'un réseau quand même relativement nombreux, vous le savez autant que moi, d'artistes qui retrouvent leur dignité en allant soutenir cette cause, quoi. Et c'est par le langage universel qui est la musique. Ouais. Absolument. Mmh. Absolument. Donc c'est, ouais. Ah, c'est beau. Nous, on soutient bien, on dirait Ganlac, Zycomatic, on suit de près parce qu'il oui. y a plein d'événements. Ils arrivent à se financer grâce à ces événements aussi. Et puis si maintenant, ouais, effectivement, ils montent sur Paris pour prêcher la bonne parole, entre guillemets, de dire voilà, ce qu'on sait faire localement, il faut le faire partout, quoi. C'est... Il faut le faire à plein d'endroits. Donc voilà. C'est un immense exemple d'abord de réseautage réussi. Parce que Clément Dumont, il est monté sur ressort et il doit avoir des piles nucléaires. Ouais. Parce que je rappelle quand même que ce mec-là, il a un métier quotidien qui n'est déjà pas facile. Ouais. Alors bonne nouvelle, on a trouvé du lithium en France. Donc on va pouvoir y en fournir. Charger les batteries. Voilà. Mais à travers Clément, bien sûr, Karine, tous les autres, vous savez à quel point je suis attaché à votre démarche, qui est d'ailleurs aujourd'hui un peu la mienne, parce que j'ai la chance tous les ans d'être un peu invité par-ci, par-là. Ouais. Et ça me rassure aussi dans la manière dont mon chemin a trouvé un genre d'apaisement, sa voix, quoi. C'est quand même un signe plutôt sympathique de faire partie de ce qu'on appelle pour ce genre de choses. Oui. Parce que 14 rue Boigne, oui. ça te dit quelque chose. Donc c'est à Chambéry, c'est la fameuse avenue avec des arcades. Non, c'est ça. Depuis, je suis allé lire une biographie de ouais. Benoît, de son vrai nom, Le Borgne, qui trouvait que ça sonnait pas assez bien. Et puis, comme il a quitté Chambéry dans la période pré-révolutionnaire, c'est ce qui est marrant d'ailleurs, il est allé faire carrière militaire jusqu'aux Indes, mais il est passé par l'Italie, la Russie, le machin, le truc. D'ailleurs, je ne sais pas, non, je n'ai pas encore le droit d'en parler, mais nous préparons à grande échelle à Chambéry pour, dans quelques années, un hommage massif au comte de Boigne, justement. D'accord. Cet aventurier militaire qui est allé aux Indes et a tellement réussi dans sa carrière militaire au service de certains maharajas qu'il est revenu couvert d'or lorsque diverses maladies l'ont obligé à revenir en Europe se soigner. Et donc, il est parti savoyard, Piémont-Sardaigne, et puis il est revenu français. Pour lui, c'était un peu compliqué. La Révolution était passée par là entre-temps. D'accord. Et c'est quelqu'un qui est central, d'ailleurs. C'est lui qui est représenté. Vous savez, il y a un personnage central au cœur des quatre sans cul surélevés. Yes. Voilà, nos quatre éléphants mondialement connus. Oui. Et donc, c'est un hommage à Benoît Le Borgne, connu sous le nom de Comte de Boigne. Et donc, c'est la fameuse rue de Boigne dont j'ai eu la chance d'habiter le 14, pendant quelques temps. Et l'une des plus belles choses qui me soit arrivée, c'est qu'avec ma compagne, à la sortie de l'album, on a décidé d'offrir un exemplaire de l'album à chaque habitant de l'immeuble, le 14. Et moi, j'ai vu comment, avec des choses simples, on peut générer vraiment de la joie. Et c'est juste que les gens, quand ils voient leur adresse comme le titre d'une œuvre artistique, j'ai découvert ça, ça leur faisait super plaisir. Ouais. Et tous les habitants du 14 rue de Boigne ont eu leur petit album. Et donc voilà, nous on a fait un album ultra identitaire. C'est-à-dire que c'était même pas Chambéry, c'était le 14 de la rue de Boigne. Parce que c'est un endroit où nous avons pratiqué pendant quelques années ce que nous avons décidé d'appeler, avec l'inspiration de l'ami architecte qui nous prêtait le lieu, un humanisme urbain. D'accord. C'est-à-dire rendre à la ville sa dimension de village. D'accord. Puisque toute ville commence par un village. Donc tu fais le grand écart entre ce que tu donnes pour Zycomatic et puis là se recentrer sur le 14 rue Boigne, parce que même le 14 bis, il n'avait pas le droit à l'album. Hein, c'est ça, oui, non, eux, ils devaient l'acheter. C'est bien vu. C'est bien vu. Non, à Zycomatic, je donne absolument rien. Je reçois. Tu reçois, ouais. Je reçois. Ouais. Beaucoup. C'est vraiment. Bon. C'est bon. Non, expérience merveilleuse. Et puis, moi, je suis très attaché C'est la question de la relation entre les racines et le ciel, quoi. Il faut qu'il y ait vraiment une espèce de...
être super ancré et être super ouvert à l'ensemble. Et avec ces gens-là, moi, j'apprends ça, quoi. On voit des dimensions de la vie qui parfois nous échappent et comme ça, le merveilleux peut nous surprendre. Il s'est passé de belles choses, même sur le plan artistique. Hein. Ils ont favorisé des rencontres absolument géniales avec des musiciens dont je n'étais pas très proche et qui aujourd'hui sont des amis. Le fameux Emmanuel Job dont je vous parle, c'est une rencontre phénoménale. Asie-comatique. On en parlera dans tes projets tout à l'heure. Avec plaisir. Et c'est vrai que je te rejoins sur Asie-comatique. Moi, j'ai fait l'Odyssée avec des vieilles voitures. On prend des enfants handicapés. Oui. On part d'un côté, nous, on partait de Chambéry, d'autres d'Annecy, puis on se retrouvait à Rumilly. Super. Moi, j'avais un jeune homme avec moi qui n'a jamais eu ses jambes, jamais eu l'usage de ses jambes depuis qu'il est né. Mais une patate, ce garçon. Et puis, il était là, dans une décapotable, avec le coude dehors. Il a dragué la lunette. Voilà. Génial. Et ce mec est en fauteuil roulant, mais alors, avec un sourire comme ça. Donc, on ressort de ces journées-là. Là se trouve la vraie magie, quoi. Ouais. Et effectivement, on reçoit, on ne donne pas. De le confirmer. Ouais. Merci Ricky. Bon, on va peut-être se refaire une petite acoustique. Qu'est-ce qu'il nous propose? Je vais peut-être éviter de faire du moi et faire 2 minutes d'un auteur français que j'ai un peu traficoté. Parce que j'aime parmi les Français prioritairement ceux qui ont un amour de leur langue. Alors je fais oh là là oh les enfants, oh là là oh, je fais oh là là oh les enfants, oh là là oh, et puis ensuite je fais comme si la chanson avait été composée ce matin, et puis on démarre en faisant oh là là la vie en rose, le rose qu'on nous propose d'avoir quantité de choses qui donne envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein de nos armoires. Dérision de nous dérisoire, foule sentimentale. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle, comment on nous parle, comment on nous parle, comment on nous parle. Voilà, ça donne ce genre de petites choses. Foule sentimentale. Ouais. Merci, ouais. Une version un peu Sud-Cameroun. Parce qu'il y a un rythme dans mon pays, le Cameroun, qui s'appelle le Bikutsi. Le Bikuti. Oui, et Bikuti. Bikulasi, ça veut dire, je crois, frapper le sol. Oui. Et comme on danse avec les... Et c'est la rythmique. Hein. Et donc, c'est cette espèce de rythmique, c'est-à-dire que c'est un équivalent de valse africaine. D'accord. Mais avec notre petit truc, là, nous, on aime la syncope. Donc, nous, on fait de la musique qui fait... Quand le français pense 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dès qu'on métisse, donc, ça, voilà, ça produit ce genre d'énergie. D'accord. Et c'est un peu, on en parlait tout à l'heure, le sens du travail que j'essaye de faire. Oui. Est-ce que tu aimes bien faire ces mélanges, justement, de prendre tes différentes origines, de culturelles et puis d'instruments aussi. Tu aimes bien faire ce petit mélange Non, j'aime pas. Je suis ça. Je suis le canal. En fait, je me sens habité par des courants contradictoires et j'aime beaucoup l'idée que c'est ça qui est libérateur. Ouais. C'est de se dire là, ça tangue et il faut absolument que je me sente bien. D'accord. Et donc je vais faire un afrobeat avec des mantras tibétains, je vais mélanger un cha-cha et un funk. Donc t'aimes surprendre l'oreille en fait. Absolument. Aussi, c'est ça. Ouais. L'idée c'est que chacun doit pouvoir trouver son compte à un endroit de la chanson. Alors peut-être que ma première idée ne plaira pas, mais le petit truc que je vais mettre en dessous qui vient dans notre village va me sauver. Ouais. Le petit gimmick. Voilà. Donc en général nous avons une recette à trois, une espèce de triptyque. La langue française est toujours au centre parce que c'est mon choix d'artiste. C'est un choix qui va au-delà de la politique parce que j'ai un amour de la langue française qui transcende les conséquences de la mauvaise histoire et la mauvaise rencontre que nous avons faite voici plusieurs siècles. Je pense même que la langue française est supérieure au français. La langue, supérieure aux gens. Parce qu'elle dit une continuité, elle dit une richesse. Et puis peu de Français savent qu'en fait, la langue française raconte l'ensemble des rencontres de la France. Oui. Elle est riche de ça. Elle est diversifiée. Voilà. Mmh. Algèbre, c'est un mot d'origine arabique. Mmh. Iota, chouya,
Il y a des influences polonaises, il y a, voilà. Et en fait, la langue française, elle est riche de tout ça. Et je crois d'ailleurs que bientôt, on parlera plus des francophones que des français. Et ce sera bien. Ce sera bien. Oui, ouais, oui. Okay. Parce que là, un rayonnement, je pense que les Français ne soupçonnent pas. Et les gens, c'est une langue qui est tellement belle que les gens arrivent à faire la différence entre les conséquences de la politique et puis la magie de la langue. Vraiment. Tu me laisses en voix. Là, je réfléchis à tout ce que tu dis. Je suis assez content parce que, tu sais, les choses sincères sont toujours un peu balancées comme ça. Quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui... D'abord, c'est ma langue maternelle. Ça peut paraître étrange à part, mais moi, je suis un Africain qui est né à la ville. Et mes parents ne vivaient pas dans leur région d'origine. C'est pour le boulot qu'ils étaient à la capitale. Oui. Et si on part du principe que la langue maternelle, c'est la langue que vous parle votre mère, la première, ma mère m'a d'abord parlé français. D'accord. Et ensuite, j'ai appris la langue du groupe ethnique auquel j'appartiens. J'appartiens, ouais. Et donc, je le dis sans intention d'humilier aucun Africain, quoi. C'est sans violence. Je dis juste que factuellement, la langue française est ma langue maternelle. C'est depuis la langue française que j'entends les autres langues. C'est totalement accidentel. D'accord. Mais c'est comme ça. Ouais. Et donc, j'avais le choix entre en faire une souffrance ou en faire un projet. D'accord. Et cette troisième langue, la musique, elle est venue tôt dans ta vie Alors, j'ai décidé de t'embêter ce soir. C'est la première langue. C'est parce que notre corps, même les borborythmes, comme on dit, là, tu vois, les bruits que fait notre ventre quand on a faim, c'est déjà de la zik. Donc, il y a des gens de chez nous. Il y a un artiste du Cameroun qui a une phrase qui m'a marqué à vie. Il s'appelle Tokoto Ashanti. Et il disait, au commencement, fut le son. D'accord. Et le Big Bang, ça ne peut être... qu'une espèce de... Et donc, oui, moi, je dis musique, langue première. Et ensuite, le français et puis nos langues nationales. Donc, le premier instrument, c'est l'oreille. Absolument. C'est ça. Absolument. Mmh. Absolument. En fait, il y a des gens, par exemple, qui sont pratiqués aucun art, ont une finesse d'écoute qui pourrait en étonner plusieurs, qui peut avoir une qualité de perception que n'ont pas des gens qui pratiquent. J'en ai rencontré beaucoup. Mmh. Les gens qui ont l'oreille supérieure, quoi. Oui, ce qu'on peut parfois on appelle l'oreille musicale ou le. Absolument. Voilà. Absolument. C'est une compréhension, une compréhension musicale. Absolument. Ouais, c'est ça. Absolument. D'ailleurs, parmi ces gens-là figurent beaucoup de danseurs. Moi, je suis toujours fasciné par le rapport entre. Parce que j'aime bien à dire que la danse est encore de la musique. Oui. C'est de la musique qui se voit. Musique corporelle. Absolument. Et y a un type de chez vous, du moins pas tout à fait, parce que c'est un teuton, monsieur Goethe, qui définit l'architecture comme de la musique figée. Amuse tes copains avec ça. Ouais, ouais. Je trouve ça absolument génial. Ah, non, sujet de philo demain matin pour ouais, le troisième. Je trouve ça absolument génial. L'architecture, c'est de la musique figée. Donc voilà. Ok. On s'en refait une petite chanson ouais. Avec plaisir, je vais essayer d'être malin et je vais chanter un bout d'un hommage que j'ai commis un soir pour dire merci au plus beau de tous les Français de mon point de vue en disant « Ceci est un message d'amour et de respect à l'égard du plus beau de tous les Français. J'ai nommé Monsieur Georges Brassens. » Je n'ai plus que l'automne pour espérer que sonne une envie qui étonne. Une jolie personne, une larme tâtonne. Qu'est-ce que c'est la vie bonne? Si tu aimes, tu te donnes. Tu vis pour que le temps frissonne. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah. Oxygène, carbone, Carthagène, Narbonne. Indigène, Maldon, une chaîne me rançonne.
Que le sel me pardonne, je suis poivre Pantone. Un départ qu'on redonne, du soleil en plein London, yeah. J'ai sauté à pieds joints sur ta peau de banane, et j'ai glissé en faisant du stop dans ta savane. Si épicé, quand tu es derrière, il fait chaud le vent. Faut se hisser à la hauteur de la manie du vent de t'immiscer, yeah. Wouah, oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Ah. Une guêpe friponne dont les cils me harponnent. Au secours, je déconne. Cils anxieux, cils icônes. Je ne suis plus alone dans mes gènes de clone. Je l'ai mise sur le trône et civilisé ma zone, yeah. J'ai sauté à pieds joints sur ta peau de banane et j'ai glissé en faisant du stop dans ta savane. Si épicé, quand tu es derrière, il fait chaud le vent. Faut se hisser à la hauteur de la main et du vent de t'immiscer. J'ai une pensée pour mon ami écrivain Patrick Chemin qui adore le refrain de cette chanson et pour en faire un bout d'historique. Un soir, je me trouve devant FR3 et je regarde 3 heures de documentaire concernant M. Georges Brassens, sauf que c'est la première fois que je vois un reportage où il n'y a que lui qui s'exprime. Parce que d'habitude, c'est « je l'ai bien connu, on va aller voir tel, on va aller voir tel ». Et c'est 3 heures d'un documentaire profond, important, où on voit Brassens qui dit ce qu'il pense, qui montre ce qu'il fait, qui montre ses passions, ses machins, ses trucs. Et moi, j'en sors complètement bouleversé. La chanson que vous venez d'entendre, je crois que je l'ai presque toute faite, elle m'est venue d'un trait. D'accord. Ça arrive rarement. Ouais. C'est-à-dire que là, on se dit, je vais faire un truc pour faire plaisir à la mémoire du monsieur. Et puis, on est saisi par sa propre exigence artistique à lui. D'accord. Et donc, il y a une espèce de truc qui descend. Ma grande fierté, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois en concert à cause du poum. La pompe, ce qu'on appelle la pompe. Je vois des gens tous stressés en se disant, oh, il y a une chanson de Brassens que je ne connais pas. Je pense que c'est un bel hommage. C'est une chanson que j'ai fait pour me rapprocher de son âme et bien m'en a pris puisque 3 ans plus tard, j'étais embauché par l'expérience Brassens le Cubain. Voilà, c'est pas... D'où le lien. T'as trouvé la transition. Ouais. Hein, parce que oui, là, l'effet pompe, il a été universalisé par Georges Brassens. Hein, c'est sa signature, effectivement. Et effectivement, tu parles de glisser sur une peau de banane, mais les paroles sont glissées toutes seules dans ta tête pour sortir. Voilà, j'ai presque l'impression, c'est un peu prétentieux, mais qu'il m'a inspiré une partie du délire. Donc un hommage à un grand monsieur, effectivement, ce projet qui est concrétisé aujourd'hui, Brassens le Cubain, si tu peux nous en parler. C'est une magnifique expérience que j'ai eu le bonheur de prendre en cours. Le premier chanteur de cette expérience s'appelait Jean Sangali et il faut lui rendre hommage ici, parce qu'il était à l'origine de l'affaire. Et puis, pour des raisons de différence de vision du projet, ils ont décidé intelligemment de se séparer et ça a été ma chance. Il se trouve que le merveilleux pianiste de l'expérience Brassens le Cubain est aussi le mien. Dans l'expérience de Big Boom Boom, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est le copain avec qui j'ai un vrai partage depuis 20 ans pour certains d'entre eux. Moi, j'ai considéré comme une chance extraordinaire le fait d'être sollicité pour faire ce travail. Ils ont auditionné plusieurs chanteurs et je crois que c'est l'éducation rythmique que m'ont donné mes copains pendant près de 20 ans qui m'a permis de plaire à ces Cubains et Franco-Cubains. D'accord. Moi, j'avais déjà Georges Brassens en amour profond, mais je ne mesurais pas la magnificence de son œuvre, parce que c'est une fois qu'on se met à le chanter qu'on réalise qu'en fait, il rigolait pas, le mec. Il avait des messages à faire passer. Des messages terribles. Il fait l'unanimité, mais peu de gens savent que c'est un des meilleurs jazzmen français. Faut écouter les lignes de chant. C'est du jazz. C'est du jazz. Oh là là. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique, Georges Brassens. Voilà, tu nous fais envie hein, de ressortir les... Oui, mais comme j'en ai quelques-uns, à la maison, mais c'est vrai qu'on se l'écoute par nostalgie souvent, on se dit tiens, petit Brassens, mais c'est, voilà, il y a une vraie œuvre, quoi, il y a plein de choses, quoi. Alors, pour établir tout à fait le truc, il y a une vidéo que je regarde régulièrement,
J'adore voir Brassens, il était ultra fan de Charles Trenet. Il y a une vidéo que peut-être on pourra retrouver sur YouTube tout à l'heure où vraiment il fait « Oh, mais moi je connais toutes vos chansons, monsieur !» Mais vraiment Et pour moi qui suis ultra fan de Brassens, ça me fait tout drôle de le voir. Et puis, comme vraiment, un gamin, quoi, devant Charles Trenet. Et puis il connaît tout Charles Trenet. Il joue la guitare, il fait les chants, les machins. Et moi, voir un mec qui, pour moi, est l'équivalent de Dieu en mode fan, ça fait tout drôle. Donc du coup, je me suis mis à écouter Charles Trenet. Oui. Et j'ai compris pourquoi Brassens, il aimait ça. D'accord. Parce que c'est un tueur, Charles Trenet. C'est vraiment... Des fois, on a l'habitude de penser que forcément, les Français ont repris des standards de jazz américains. Dans le cas de Charles Trenet, c'est plutôt l'inverse. Oui. Beaucoup d'Américains ont repris du Charles Trenet, quoi. D'accord. Donc, il faut redire aux Français qu'ils aiment leur pays, mais souvent pour de mauvaises raisons. Oui, puis rappeler que ce n'est pas que vieille France, c'est ces chanteurs, ah ouais, parce qu'ils sont, très loin, mais c'est magnifique. Même en musique actuelle, on pourrait reprendre du Charles Trenet et en faire des musiques actuelles. C'est tellement génial que voilà, ça fonctionne. Et donc, c'est le cas pour Brassens le Cubain, des arrangeurs géniaux, vraiment. Hervé Franconi, Issel Assoua, Christophe Blond, Michel Goutani, qui ont fait un travail merveilleux parce que du coup, ils ont amené une énergie de cuivre à la cubaine qui enrichit de beaucoup les mélodies. Ils ont apporté le côté hyper dansant de la plupart des musiques cubaines. Et ils ont gardé la pureté du chant de Georges Brassens. C'est-à-dire que les gens qui viennent dans nos concerts, ils reconnaissent leur chanson. Et après, ils sont émerveillés par l'enveloppe, quoi. D'accord. Et puis, du Brassens qui danse aussi. Parce qu'avec les Cubains, c'est difficile de faire autrement que de danser dès que ça part. Et donc, je suis maintenant en train de m'éduquer à cette grande culture qu'est la musique cubaine. Et je peaufine aussi mon éducation par rapport à Georges Brassens. D'accord. Et en lien avec Issel Assoua, j'imagine, pour... C'est le boss. C'est un dieu du rythme, c'est un être... Il est très accessible et donc on pourrait se tromper, mais Issel Assoua, vraiment, est un des rares exemplaires en France de l'ultra-excellence cubaine. D'accord. Vraiment. Ça, c'est dit. Vraiment, non, mais vraiment. Vraiment. Et donc, c'est lui qui est un peu le moteur d'une expérience qui dure depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'il a éduqué une bande de copains français à la musique cubaine dans son ensemble, un groupe qui s'appelait Tempo Forte avant, que peut-être certains d'entre vous ont eu la chance de voir. Mais ils étaient 14, donc c'est une sacrée bande. D'accord. Et donc, ils ont réduit les effectifs de moitié pour faire Brassens le Cubain. D'accord. Et il est prévu des tournées, parce que il y a un CD, il y a un premier CD qui a été fait, il y a un deuxième en préparation. Il est fait aussi. Il est enregistré, il n'y a plus que moi qui dois rentrer les voix. D'accord. Parce que comme on a fait le choix, et c'était un défi important, le premier album, on l'aimait beaucoup, mais il nous manquait l'énergie du moment où on joue tous ensemble. Parce que vous savez, souvent en studio, les prises peuvent être séparées. Ouais. On s'est lancé le défi d'enregistrer tous ensemble pour avoir une quasi-énergie de concert live. Alors c'est merveilleux parce que ça marche, ça s'entend, la différence. Et c'est un peu terrible parce qu'à chaque erreur, il faut recommencer. C'est clair. Donc on a mis 8 jours enfermés à Montmélian et on a tombé 11 titres. D'accord. Ouais, vraiment. Donc, du coup, les concerts, ce n'était pas notre souci de maintenant, là. Parce qu'on finit, finit l'enregistrement de l'album. En revanche, oui, il y a des prospections, des constats. Et à partir du printemps, puisque l'album sort au printemps, il y a de très, très belles surprises. N'étant pas signé, je ne peux pas en parler pour l'instant. D'accord. Parce que ce serait un peu exercer une violence sur ceux qui veulent nous programmer. Bien sûr. Mais à partir du printemps prochain et l'été, il va se passer des choses, ça va être super. D'accord. En tout cas, le peu d'informations que j'ai sur les gens qui souhaitent nous accueillir sont des informations très positives. Parce que nous, on avait juste besoin, pour commencer réellement à exister, d'avoir un peu de visibilité. Et un concert aux Estivales du Château n'est pas de trop pour être un peu vu. Et puis quelques scènes, l'Intégrale à Belley, l'Auditorium de Sénaux. On a joué beaucoup à Villeurbanne, à l'Espace Tonkin. On est allé un peu entre Nice et Monaco. Voilà, ça commence à monter. Ah ben, faut de la promo, entre guillemets. Il faut se faire connaître. Parce que nous sommes ce que j'appelle moi les musiciens sincères, c'est-à-dire que ce n'est pas l'aventure économique qui nous a décidé à faire les choses. Et du coup, il y a un moment où on rencontre quand même l'économie et ses règles. Oui. Et donc le premier album nous a servi à trouver notre place. Le deuxième album, j'espère, va nous aider à nous installer. D'accord. Parce que
ça n'a rien à voir avec nous. Georges Brassens est vraiment dans l'ADN de ce pays, et même dans l'ADN de la francophonie. Si on... Et en fait, la com, elle est déjà faite. Qui ne connaît pas Georges Brassens ? C'est rare. Nous, notre boulot, c'est de rendre sa proposition initiale super intéressante et audible pour notre époque. Ouais. Et le choix, c'est de se dire, il aurait pu naître à la Havane, comment on fait ? Avec la même matière. Avec la... Et c'est vraiment fabuleux. Vous savez, il m'arrive des fois sur scène de découvrir le sens profond d'une phrase que je chante depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où on est attentif à certaines choses et pas d'autres. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue, coup de vent sur ses affaires qui traînent. Ouais. Donc là, il faut imaginer l'auteur, à quel moment il l'a écrit, et qu'est-ce qu'il avait dans la tête. C'est du cinéma, c'est pas de la chanson, c'est du cinéma. À chaque vers, nous, on invente des images sublimes. Quoi. C'est ça la force du... Je dis, à Brassens, c'est du cinéma, c'est pas de la chanson. Hein. À chaque fois, il y a une histoire avec un début et une fin. C'est l'équivalent d'une feuille à quatre, mais il y a un court-métrage complet avec toutes les émotions, toutes les images, tous les rebondissements, tous les... C'est un seigneur. Je suis désolé d'être excessif, mais je l'adore. Non, mais moi, je... je n'oserais te contredire sur le sujet. The George. Non, mais c'est intéressant parce que Brassens le Cubain. Moi, par exemple, j'ai un album à la maison qui s'appelle Mozart l'Égyptien. Oui, j'ai écouté ça. C'est chouette. C'est fait avec l'orchestre de Bulgarie, etc. Ouais. Mais voilà, moi, ça me fait penser à ça parce que on va aux antipodes avec une racine qui est là, qui existe, absolument. Et puis on en fait autre chose. Il y a Back to Africa, je ne sais pas si tu es tombé dessus. Non. Back to Africa, B-A-C-H. Oui, yes. C'est magnifique. Ça. Hein. Chant traditionnel de la forêt, Gabon, avec Pierre Akendenge, qui est un musicien, un dieu vivant de la musique d'Afrique centrale, et puis des orchestres symphoniques. Symphoniques de Bulgarie. Ah oui, non, mais ça, au casque, moi, c'est... Ah ouais, c'est... Voilà, donc On a trouvé le... On est dans la racine de ce que, modestement, parmi d'autres, j'essaie de cultiver... Quand je fais de la musique, quoi. Ouais. C'est ça se soigne une rencontre. Oui. C'est du moins si on fait ça vraiment dans une intention de plénitude, ça se soigne. C'est-à-dire que j'ai la chance, je ne choperai jamais le melon parce que Brassens en impose tellement, quoi. Oui, qu'on reste mais humble face à l'heure. C'est une erreur terrible de se raconter une autre histoire avec ça. Quoi. Oui. Le type, il a une espèce de densité. Donc, nous, on est au service. Chaque concert, on compte jusqu'à 3 et on demande au public de dire en même temps que nous, merci Georges. C'est un rituel que je fais systématiquement. D'accord. Après le premier ou le second morceau. Et une fois que les gens me disent merci avec nous, je me sens autorisé à... Voilà. Donc merci Ricky pour Georges. Ricky Georges, d'ailleurs, quelqu'un m'a fait une blague que j'ai trouvée adorable à la fin, c'est « Oh tiens, il a bien changé, Brassens. » Alors, c'est sûr que quand tu vas me mettre en chauffeur. Et donc mon fils, et qui, parce que j'ai un duo, père et fils, qui est magnifique aussi, on n'est que deux, mais ses guitares, ils balent à fond. Oui. Jordan, mon fils de cœur, parce que tout le monde dit « Ah bon, c'est ton fils, parce qu'il est blanc et qu'il est bourguignon, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi ? C'est mon fils !» Donc souvent on dit aux gens, mais vous voyez pas qu'on se ressemble et tout, en tout cas ils prennent un air comme ça. Et il a dit un truc dont je me souviendrai toute ma vie parce que j'ai trouvé que cette idée était parfaitement juste. Il joue pas avec nous à Brassens. Il m'a dit, mais tu sais papa, je pense que Brassens c'est un peu le Bob Marley français quoi. Ah, oui. Et j'ai trouvé ça d'une beauté. Oui. Mmh. J'en parle tout le temps. Ça m'a tapé dans l'esprit comme, mais ouais, mais c'est ça que je voulais dire. Tu vois c'est ça que j'essaie de dire depuis longtemps. Ça, il a cette dimension là. D'accord. Et dans mon cœur, quand on compare quelqu'un à Bob Marley, c'est que vraiment, vraiment, on l'aime beaucoup. Hein. Oui. C'est... Parce attention. Que là, il y a un autre, un autre monstre aussi. Ah oui. Je rappelle quand même que moi, je ne suis pas très religieux, mais ce mec-là, il chante quand même des trucs qui sont directement liés à une forme de foi. Et je n'ai aucune espèce de censure. Quoi. Je bois tout ce qu'il raconte avec une délectation, mais un truc, et je sais que je ne suis pas le seul. Quoi. Et ouais. Ça doit être en Jamaïque alors. Alors un de mes rêves, c'est d'y aller. Il y a Dieu et il y a Bob Marley. J'ai un souvenir de Yannick Noir racontant la première fois qu'il met les pieds en Jamaïque. Et en fait, il s'attend à tout un cinéma parce qu'il veut absolument rencontrer Bob Marley à l'époque. Je crois que c'est la fin des années 70.
Et en Jamaïque. Et Bob Marley est une telle star à l'époque que lui, il s'imagine qu'on va lui faire passer 14 étapes, 12 secrétaires, machin. Et tous les gens qui croisent disent « Ouais, mais c'est vers là-bas, tu vas, tu demandes aux gens et tu le verras. » Et en fait, Bob Marley, pieds nus, survêt rouge, Adidas, qui se rend « Oh, il paraît qu'il y a un gars qui me cherche. Oh, salut !» Voilà, c'est l'autre dimanche. Yannick, Bob, Bob, Yannick. Voilà, voilà. Vraiment, salut, est-ce que t'as mangé ?» J'adore les stars qui sont capables de prendre le métro sans être emmerdés. Ouais. C'est très difficile à faire. Ouais. Je crois c'est très France... difficile. Tu m'as parlé de Laurent Voulzy que j'ai croisé il n'y a pas longtemps si, dans le TGV. Mais on a une histoire en voilà, commun. Parce que, oui. Il s'est caché au McDo, mais oui. Tu l'as... Moi, je l'ai alpagué avec mon plus petit journal. Plus se cache, plus on le reconnaît. J'étais étudiant. Et puis, il faut que tu racontes aussi que toi, tu l'as alpagué aussi, dans oui. le train. Ouais, dans le train. J'étais, ouais. On a été voisins. Moi, je n'ai pas osé l'aborder comme ça, assis, ouais. discuter avec ses collègues de travail, son impresario, ouais. son ouais. musicien. Et on s'est recroisé au bar du TGV. J'ai bu une bière. Et la bière finie, je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, je viens de trinquer à toutes les nuits qu'on a eues sans Kim Wilde. Et Laurent Voulzy m'a répondu droit dans les yeux. Il y en a eu tellement. Sans Kim Wilde. Ah, c'est l'anecdote et elle date d'un petit mois. Là, Donc avec son copain. Pour un Paris-Lyon. Ouais. Avec son copain qui a les cheveux aussi bizarres que les siens, Souchon. Oui. Ils forment un duo. J'ai une vénération particulière pour Souchon parce que. La langue française choisit de très rares princes et il en fait partie. Souchon écrit vraiment, mais... Souchon, putain ouais, j'ai pas encore découvert son dernier album, parce que lui, il est de l'actualité. Ouais, est, pas encore. Presque je, Souchon. Mais j'irai ouais. écouter. Mmh. J'irai écouter. À une époque, je connaissais par cœur des chansons entières d'Alain Souchon. D'accord. On se refait un petit titre, Ricky tu... Oui, alors mais ouais. puisque je suis un mauvais mmh. guitariste, je vais chanter une chanson à la sauce Gilet jaune. Mais au départ, mmh. elle a été écrite pour parler de ce qui se passait dans mon pays, le Cameroun. Et puis, à force de travailler sur le texte, je me suis rendu compte que la complainte des gens au Cameroun est une complainte universelle, en fait. Parce que cette chanson a été écrite avant que ne naisse le mouvement des Gilets jaunes. Puis... Franchement, c'était une adresse très, très ciblée sur le Cameroun. Et puis, je me suis dit, mais en fait, non, c'est stupide déporter, de penser quoi. Le truc mmh. comme ça. Mmh. C'est assez universel. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme auteur ? Très bien, un do. Mon pays est fâché et il va tout casser. Il se sent pousser des ailes, désormais c'est lui le danger. Grand danger, ça va changer. Grand danger, ça va changer. Le lait lyophilisé, la monnaie délavée. Aux idées folles s'entremêlent, on dirait que l'eau va manquer. Va manquer, ça va changer. Va manquer. Ça va changer. Bien au-delà de la mer, le condiment de la guerre, un animal poker a terrorisé ma terre. Il rêve d'un désert, il n'y aurait que des affaires. Un idéal précaire veut légaliser l'enfer. Grand danger, ça va changer. Grand danger, ça va changer. Des meubles vont voler, des gens dans le fossé, des enfants sublimes et frêles qui jamais ne verront la beauté. La beauté, ça va changer. La beauté, ça va changer. Et demain les musées, comme hier la nausée, s'amuseront de nos ailes habitées par une ambiguïté. Ambiguïté. Ça va changer, ambiguïté, ça va changer. Un idéal précaire veut légaliser l'enfer. C'est un truc comme ça. Mais sur disque, il y aura quelques... Merci, c'est sympa. C'est sympa. Alors, merci. Tu parlais effectivement des difficultés du Cameroun. Oui. Tu as un projet en fin d'année avec oui. Emmanuel Job, si tu peux en parler c'est un petit le, peu. Ouais. C'est le projet d'Emmanuel Job qui a eu l'excellente idée d'embaucher mon fils comme deuxième balafon. Alors, c'est un groupe de blues absolument extraordinaire. Je crois que c'est le seul sur la planète qui soit configuré comme ça. Il y a deux balafons, puis basse, batterie et tout le reste. C'est extrêmement rare dans un groupe. Et donc, mon fils fait partie des deux balafons. Et il se trouve que j'étais révolté à l'idée que mon fils soit en tournée au Cameroun et moi ici.
100 ans. Il y avait quand même une drôle d'idée. J'estimais que c'était à moi de lui montrer les sentiers et machin, les trucs. Et puis nous avons chouiné assez pour qu'un membre éminent de notre famille nous offre à ma compagne et à moi le billet pour faire le voyage. Et du coup, Emmanuel Job étant le directeur artistique de l'album que je suis en train de faire, j'ai considéré que c'était un minimum d'aller là-bas comme bénévole pour lui donner des coups de main sur sa tournée. Parce qu'il faut dire que chez nous, les choses sont rarement simples. Donc, je vais là-bas jouer le rôle de l'agent rationnel. Le mec méchant qui dit qu'on doit faire ce qui est marqué sur la feuille. Et puis, c'est aussi des vacances. La dernière fois que j'étais au Cameroun, c'était 2013, donc ça manque quand même un peu. C'est un pays qui ne va pas très bien, il faut dire la vérité. Nous avons la partie anglophone qui est en surtension. Il y a beaucoup de morts en ce moment. Ça dure depuis 3 ans. Nous avons la partie nord-Cameroun qui a subi beaucoup d'assauts de Boko Haram, de triste réputation. Et nous avons la partie est du pays qui doit accueillir des gens qui fuient les guerres et les violences en République centrafricaine. Donc pour un petit pays comme le nôtre de 25 millions d'habitants, ça fait beaucoup de pression à la fois. Donc c'est sûr que les Camerounais, en ce moment, ils ne vont pas très bien. À la fois interne et externe. Donc, ouais. Voilà, mais c'est la raison pour laquelle Emmanuel Job fait une date le 27 décembre à Yaoundé, dans une salle de 12 000 places, un palais des sports, en accès gratuit pour la population, mais avec 1000 choristes venus des 10 régions du Cameroun. 1000 choristes. Donc c'est quand même un... Un gros truc. Un, oh, un ouais, méga c'est... machin. Quoi. Ouais. Et donc ma compagne et moi, nous serons parmi les petites mains qui font qu'on contrôle les badges, les machins, et tout. D'accord. Et puis on s'assure que ce qui est marqué sur la feuille est réalisé comme prévu. Donc tu es multi-activité, hein, ce que je crois savoir aussi, l'école de seconde chance, voilà, ah, tu fais des choses qui ouais. tiennent à cœur aussi, où tu es impliqué. En fait, donc, l'école de la deuxième chance, au départ, j'y suis allé pour l'argent, et puis en fait, j'ai découvert une passion. Non, il en faut toujours un peu de l'argent. Je t'ai pas qu'une seconde. Non, c'est une vraie passion. Mon métier, moi je viens du travail social. Avant la musique, j'étais éducateur et je travaillais à Chambéry-le-Haut pour le compte de la sauvegarde de l'enfance. Puis je les ai quittés en bon terme en leur disant « J'ai bien réfléchi, c'est pas éduc que je veux faire. » Et puis on s'est quittés en bon terme et je suis devenu lentement musicien. Mais ayant cette culture du social, je suis resté proche de mes anciens collègues, de gens que j'ai rencontrés. Et donc je travaille beaucoup depuis bientôt 20 ans dans la sphère du social avec la langue française et la musique comme outil. D'accord. Et il se trouve que mon coup de foudre de ces dernières années, c'est l'école La Deuxième Chance, un lieu où on accueille des jeunes entre 16 et 25 ans. Ils appellent ça des décrocheurs. Donc c'est des gens qui ont pu se trouver mal à un moment de leur parcours. Et puis voilà, c'est un endroit où on peut se réinventer, se ressourcer. Et nous, les intervenants extérieurs, nous avons une grande liberté pédagogique. Et puis, c'est pas pour... leur passer la brosse à reluire, mais il y a quand même des équipes d'une qualité que j'ai rarement vue ailleurs. D'accord. Pour s'occuper des jeunes là-bas. C'est à Vauglan, hein, c'est ça ? C'est basé désormais à Vauglan, oui. Ils ont intégré l'ancienne ENAI, qui était une école d'art appliqué, qui, elle, a déménagé vers mieux. Et du coup, l'école a récupéré des locaux qui sont plutôt sympas. D'accord. Et on arrive à leur donner une deuxième chance. Alors, voilà, c'est travailler, c'est un travail. C'est à eux de la saisir. C'est de leur créer des opportunités pour qu'ils les saisissent. Ouais. Les jeunes, en fonction des parcours, des sensibilités, sont très inégaux devant la chance. Et donc, notre métier à nous, c'est de repérer les endroits où le positif peut à nouveau les posséder. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Retrouver une estime de soi, c'est le principal sujet là-bas. Ouais. Retrouver une estime de soi. L'estime, donc la confiance. Et il y a plein de gamins qui sont nuls parce qu'on leur a tellement dit ça qu'ils ont tout fait pour correspondre à l'image. Donc il faut déconstruire, il faut remettre... Et c'est ça qui est passionnant, quoi. Il faut remettre de l'amour. Et moi, je travaille selon un principe qui veut, on revient à la langue française, que souvent la non-maîtrise de la langue est au centre du stress des gens qui sont en danger d'exclusion. D'accord, oui. Ça, c'est terrible. Si on est angoissé avec la langue, si on se sent mal dès qu'on va à la poste parce qu'on ne sait pas comment va être perçue notre manière de parler, si on est en panique au moment d'écrire parce qu'on a peur de faire des tas de fautes en écrivant son adresse, et ainsi de suite.
ça paraît être des petites choses simples. Non, mais c'est, ouais, la société est faite de ces couches-là. Hein. Quand on prend la plupart des politiques, c'est des orateurs parce qu'ils ont été avocats. Ils ont... Ah, je croyais que tu allais me dire que c'est des orateurs non, parce qu'ils ne savent pas écrire. Non, des orateurs. Ou ils ne savent pas comprendre ce qu'on leur dit. Pardon, Renaud Beretti. Je dis ça pour tout le monde, sauf toi. Mais, maire d'Aix-les-Bains. Mais le pouvoir de l'oral, ouais, il est important dans une société moderne d'avoir justement... Et du coup, quand on a ces difficultés de s'exprimer, effectivement, ça peut... On est vite en difficulté. Enfin, on est face à des murs. Quoi. Absolument. Quand on approfondit cette quête-là... Franchement, le rapport à la langue, c'est un truc terrible. Et en termes d'exclusion, c'est un truc de malade. Hein. C'est-à-dire que la langue est aussi un facteur d'inégalité. Hein. En tout cas, la maîtrise ou la non-maîtrise de la langue. Voilà, est un gros ouais, facteur ouais. D'inégalité. Bah, vous voyez, moi, je avec mon petit bagou, là, je pourrais faire illusion à un entretien pour devenir banquier alors que j'ai fait aucune étude. Alors qu'un type, lui, qui serait très bon en calcul et en comptabilité, et machin, s'il ne fait pas le vendeur de cravates comme moi, je sais le faire, il ne sera pas pris, lui. Ouais, bon, après, on ne me prendra pas puisqu'on verra que je suis un charlatan. Mmh. Mais je peux aller jusqu'à l'entretien. Et c'est ça, là, c'est ça le... La différence. Et puis, en fait, j'ai aussi envie de dire que c'est un pays où nous sommes tous en train de tuer l'empathie. Et on tue une société avec ça. Hein. Ouais. Les gens avec leur carte bleue, ils s'imaginent que le bleu les rapproche du ciel. C'est des conneries. Il y a des cartes qui sont vertes, rouges, marrons. Mais ils sont en train de violenter l'empathie. Et une société sans empathie, ben, ce n'est plus un groupe. Non, elle se... Ouais. C'est les uns contre les autres, c'est de l'individualisme, c'est plein de choses comme ça qui nous fabriquons qui ressortent. Nous fabriquons des solitudes qui se tolèrent. Mmh. Je dis bien qui se tolèrent, parce qu'elles mangent encore ces solitudes. Ouais. Aux endroits où on a peur de ne pas manger demain, bah, ça part très vite, ça vole en éclats. Hein. Ouais, c'est vite une révolution, ouais, effectivement. Mmh. Ok. Et nous, avec notre sublime arrogance qui nous amène de supermarchés en spectacle, en plein dans les voitures et un machin, je crois qu'on perd complètement. Et quand je dis nous, je me mets au centre. Hein, c'est que je ne fais pas le gentil africain qui parle au méchant blanc. Hein, que les choses soient claires. Non, c'est nous, collectivement. Moi aussi, j'aime l'eau chaude. Hein. Mais nous nous trompons. Et nous savons que nous nous trompons. En plus, c'est ça qui est assez terrible. Nous savons que nous allons dans le mur, mais on y va. Hein. Bah oui, c'est super, on accélère. Super, on accélère. Et donc voilà, c'est bon. Ce n'est pas pour autant que l'enthousiasme se meurt, hein, puisqu'il y a tous les jours une raison de se réjouir de quelque chose. C'est ce qu'il faut garder d'ailleurs. Il faut essayer de chaque jour de trouver quelque chose de positif. Hein. C'est un peu cliché, mais, la vie, elle est faite de ça, hein, de haut et de bas. Mais il faut se concentrer sur le haut. Hein. Ouais, absolument. C'est clair. Hein. Absolument. Se renouveler. Être capable aussi, des fois, de changer son fusil d'épaule parce que les faits l'imposent, une analyse nouvelle l'impose. C'est très difficile en politique, mais nous, le peuple, on peut essayer. Ouais. Moins rigide. Je te propose, Ricky, il nous reste 10 minutes ensemble. S'il y a un dernier titre, tu peux nous faire partager. Oh, il y en a forcément un. Ouais. Bon, ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à mon fils, Jordan, le merveilleux balafon. Ça, c'est une expérience de reggae, mais qui tourne en 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Bien failli me séparer de moi. La météo m'avait mis sur le toit. J'ai voulu jouer au verre qu'on assoit. Dans cette mort intérieure, j'ai mis de la joie. Oh. L'homme et l'âme sont des jumeaux, les séparés fait des grumeaux égaux. On n'est que des mots supposés égaux. L'homme et l'âme sont des jumeaux, les séparés fait des grumeaux égaux. On n'est que des mots supposés égaux. Dictionnaire de l'ego du moi, j'ai bidouillé un masque de bonne foi. Le logiciel qui fait danser la voix
Quand je suis Dieu, je suis sans foi ni loi. L'homme et l'âme sont des jumeaux, les séparés fait des grumeaux égaux. On n'est que des mots supposés égaux. L'homme et l'âme sont des jumeaux, les séparés fait des grumeaux égaux. On n'est que des mots supposés égaux. On n'est que des homos sapiens. On n'est que des homos tout fout le camp, tout fout le camp, tout fout le camp, et même le temps se prend pour un océan débutant qui se demande quand est-ce que les humains comprendront que seul l'amour est grand. S'il fout le camp, y'aura même plus de mire sur nos écrans. Et tout fout le camp, 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 dire bonjour ça s'apprend. Le tam-tam est une école, il faut chanter en écoutant. Le jeu a son piquant, l'amour est un étang. S'il fout le camp, y'aura même plus de sel dans nos océans. Tout fout le camp, 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 tout fout le camp. Ma vap tap tai wararai, ma rap tap tai wararai, ma rarut ndirariri. Même les saisons se barrent. Merci. Sympa. Super moment. Donc, oui, c'était une note très positive. Tout fout le camp. Mais il y a. De... Ah, je peux faire encore plus larmoyant. Hein. Alors, regarde par exemple ça. Si la terre est bancale et létale, c'est que la serre a des démangeaisons. Alors on finit le travail, c'est légal. Mort aux saisons et à mort. Non, mort au bétail et à mort les saisons. T'entends le genre de truc que j'écris là sur la période ? Si la terre est bancale et létale, c'est que la serre a des démangeaisons. Alors on finit le travail, c'est légal. Mort au bétail et à mort les saisons. C'est ce que nous faisons pour avoir de la tomate toute l'année, qui ne prend pas une seule ride après 9 mois passés dans un frigo. Oui, c'est qu'il n'y a pas que de la tomate. Exactement, ou qu'il n'y en a pas assez. Ou qu'il n'y en a pas assez dedans. Donc, ouais, on pleure, mais avec un grand sourire. Ouais, c'est ça, il faut garder la banane, comme on dit, mais... Après, moi, je regarde de moins en moins les infos. Si je veux vivre heureux, oui, je sais. Tu vois, c'est la musique, moi. Pour, Alors, j'anime des cafés filons, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et la dernière fois, le sujet, c'était info en continu, dictature de l'immédiateté, avec un point d'interrogation, oui. Sous-entendu. Et on est allé très, très loin, parce qu'on est sorti aussi de plein d'illusions. La première, c'est que nous avons encore le choix de nous mettre devant le petit carré ou pas. Et puis, dire que c'est dictature de l'immédiateté, ce n'est pas si sûr, parce qu'en en fait, il y a quand même un média, il y a quand même une médiation. Donc le problème, c'est le rythme, la vitesse, c'est le fait de ne plus avoir le temps de penser, oui, d'analyser, de reculer. Et donc, c'est un stimulus qui marche bien pour le consommateur que nous sommes et qui détruit le citoyen qu'il devrait y avoir avec. Oui. Parce qu'il n'y a plus l'auto-réflexion, du coup. On est face à des images, on boucle, et il n'y a plus cette auto-réflexion. Oui, et puis, consommateur, ça ne demande pas des aptitudes supérieures. Non, ça, c'est facile. Il suffit d'avoir le pognon. Citoyen, c'est déjà autrement plus compliqué. Et donc, voilà. Mais je ne veux pas faire le larmoyant. Je pense être quelqu'un résolument positif. Mais j'ai besoin de le faire en toute lucidité sur l'époque que nous traversons. Et là, même si on peut penser que... voilà, moi, j'ai l'année dernière eu la chance de faire des cafés philo pour des classes de 3e. Ah oui. C'est une des plus belles expériences de ma vie.
Moi qui bossais souvent dans la sphère du social, donc avec un mental plutôt à combattre les inégalités, les machins, j'ai découvert que, mais en France, mais quand ils sont en troisième aujourd'hui, ils ont un niveau. Mais franchement, il faut aller voir. Hein. Faire de la philo avec des troisièmes, garçons et filles. Mais c'est merveilleux, quoi. C'est super prometteur. C'est des gamins qui ont déjà intégré des choses que nous avons énormément de mal à mettre en route parce que nous sommes à cheval sur deux siècles. Nous sommes les salopards des jouisseurs qui avons tout foutu en l'air sans jamais réfléchir. C'était au 20e, ça. Hein, c'est ça, c'était hein. le 20e, mais tu as l'air d'être à cheval sur les deux. Tu es aussi coupable que, d'ailleurs, la plupart de ceux qui sont dans cette pièce, sauf Fred, peut-être, Fred Dupuis. Non, moi je me suis arrêté. Moi, je me suis arrêté à la musique des années 80. Ah, je n'ai pas passé le cap. Très bien. Très bien. Et donc, en fait, globalement, le pays va super bien. Il faut juste que la génération que nous sommes leur lâche un peu la bride et qu'ils prennent le pouvoir avec une énergie différente. Ouais. Parce que nous sommes disqualifiés pour répondre aux questions qui se posent à nous. C'est trop tard pour nous. Mais c'est un travail qui est long, profond. Ouais. Et puis, en général, on a du mal à lâcher le pouvoir, donc ça va être compliqué. C'est pour ça qu'ils agressent la pauvre petite Greta, qui ne leur a rien dit d'autre que « Mais pourquoi vous n'écoutez pas les scientifiques ?» Elle n'a rien dit de plus. Ouais. Elle se fait insulter sur la planète entière. C'est bien la preuve de ce que je disais, c'est qu'il y a des gens qui sont accrochés à des choses. Et moins ils ont de solutions et plus ils se croient indispensables. C'est ça. Et c'est ça que nous avons à régler. La technique de l'entonnoir. Oh, c'est joli. Ouais. Tu pourrais le reprendre. Oui, ouais, tu peux. Parce que je trouve l'image, elle raconte tout de suite. On réduit le tuyau. Super. On va faire quelque chose de... Super. Et donc moi, à chaque fois que je peux, je pousse les gamins à la rébellion, mais la rébellion de l'esprit brillant. C'est-à-dire que c'est pas, si on casse la cabine téléphonique, il n'y a plus personne qui peut téléphoner. Ah non, ça, c'est du 20e siècle, ça. On peut casser d'autres trucs. Mais oui, renverser les symboles. Bousculer un peu nos vieilles certitudes à nous de consommateurs complètement possédés par l'acte d'achat, parce que nous sommes ça. Hein. Ouais. Et la génération qui arrive, je pense qu'ils vont foutre la table par terre. Bah, faut l'espérer, puisque... Le mur, il est pas si loin. Il est pas si loin. C'est une génération qui a pas le choix. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle peut être un poil plus intelligente. Je les appelle les écolos geeks. Ils aiment autant la nature que le numérique. Donc c'est le problème qu'ils ont à résoudre. Ouais, c'est ça. Mais il y a une belle génération qui arrive. Et c'est vrai en musique. Hein. Ils coupent l'eau du robinet quand ils se brossent les dents, mais il faut la 5G. Voilà, exactement. Exactement. En tout cas, je ne voudrais pas finir cette émission sans vous remercier. D'abord vous, mes deux précieux amis, Manu et Fred, qui avaient été si bons avec moi. Et puis Fred, tu fais la technique ici. Laurent, je voudrais te dire à quel point j'apprécie ta manière d'accueillir. Merci. Et c'est un super échange pour moi aussi. Voilà. Et donc, continuez. On a besoin aussi, à l'échelle locale, d'une radio qui fait peur aux autres. C'est ça. Et puis voilà, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans le domaine que vous avez choisi. Ouais. Merci pour de m'avoir accueilli. Toi aussi. Merci Ricky pour cet échange de qualité. C'était un super moment. Ouais. Un grand merci à vous. Voilà, l'émission s'est terminée avec Ricky James, donc qu'on retrouve. Et dans deux semaines, un nouveau Acoustic Club. On vous en dira plus dans quelques temps. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Voilà, il est 23h et c'est maintenant la musique. Du petit port au casino, du petit port au casino, Radio Grand Lac.